Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit bateau avec une coquille de noix. Voilà, nous passons aux explications. À tout de suite. Votre noix, vous l'ouvrez en deux. Voilà, il vous faudra pour réaliser le petit voilier un petit bouchon de liège. J'ai coupé un morceau, une allumette, du papier de récupération. C'est pas la peine de gâcher, de la colle, ciseaux. Et puis j'ai prévu ce pic pour nous permettre de percer le papier, voire percer également le bouchon de liège pour pouvoir y mettre l'allumette comme ceci. Voilà. On pourrait utiliser de la pâte à fixe pour maintenir au fond, mais j'en ai pas, donc j'ai trouvé l'idée du bouchon de liège. Voilà, vous voyez. Alors, avec un petit peu de colle. C'est très rapide, hein, au final, comme petite activité. Puis on obtient très rapidement notre petit voilier. Voilà. L'attente dure un petit peu parce qu'il faut laisser sécher, en fait. Du coup, eh ben on va dire que c'est sec. Le voilà. Mon petit bateau est prêt. Reste à lui mettre la voile. Je lui fais une petite voile verte. Je coupe ainsi. Voilà. Comme je vous disais, je vais utiliser mon pic pour faire les petits trous, pour passer l'allumette. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je prends mon petit bateau. Je glisse ainsi l'allumette. Je la fais ressortir de l'autre côté. Voilà. Et mon petit voilier est réalisé. Vous voyez, ça ne demande pas beaucoup de temps. C'est mignon. En voilà un. Tiens, en voilà un deuxième. Et pourquoi pas d'autres? Regardez, je vous en ai préparé avec des petites voiles différentes. Voilà, on a toute une petite flottille. Regardez. Et voilà. En voilà un autre. Voilà. Et ça flotte. C'est vite réalisé et c'est sympa. Voilà. Si vous aimez, eh bien écoutez, je vous laisse à votre tour vous réaliser des petits bateaux. À bientôt. Au revoir.